on est avec qui? C'est-à-dire, c'est quelle classe? Là, tout de suite. Et puis, à qui? On est les CM1B et moi, je m'appelle Inès. On est les CM1B et moi, je m'appelle Chloé. On est en CM1B et je m'appelle Amna. Je m'appelle Saïma. Je m'appelle Ryan. Et je suis en CM1B, je m'appelle Jocris, mon nom de famille, et Jocris, pour pas mon cousin, de lui, ma part. Je m'appelle Nabil. Je m'appelle Océane et je suis en CM1B. Je m'appelle Rodina. On est bien sur Énergie. Bonjour, je m'appelle Moussa, mon famille Touré, ma mère Sedia. C'est bon, j'arrête de raconter. Bonjour, je m'appelle Isaya, je viens de terminer mon bac. C'est tout. Je m'appelle Salima. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est, là on fait une émission musicale, on a décidé qu'on allait passer principalement de la musique hip-hop. Ouais, principalement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette musique-là? Parce que c'est la street, et la street, ils chantent, c'est obligé. Parce que, si tu sais pas que la street ça pue, mais il y a des gars, ils se battent et c'est bien. Moi j'aime la violence. J'aime la violence, mais des fois j'aime la violence, des fois j'aime pas la violence. Parce que la violence, c'est que tu peux... La violence, ça peut jamais s'arrêter. Okay. J'écoute du hip-hop puisque j'en fais chez moi. En fait, j'invente des mots et je crie. Ok. Mais t'écoutes du rap en général? Oui. Pourquoi est-ce que t'écoutes du rap? Parce que c'est bien. Et tu connais d'où? Parce qu'on en écoute dans ta famille ou parce que tes copains ils en écoutent? Tu connais d'où le rap? De ma famille. Ok. Moi j'écoute le rap parce que j'en fais, je fais du hip-hop et tout. Je suis avec une animatrice et un jour, on a fait du hip-hop et on a mis de la musique. Et en fait le hip-hop c'est bien le rap. Mais des fois on a du gros mot mais... C'est pas grave, il y en a quelques-uns dans les chansons. Bonjour, je m'appelle Chloé. Moi, je m'appelle Salimata. Et moi, je m'appelle Inès. Dans cette émission sur la violence, nous avons choisi ce morceau parce que cette histoire parle de drogue et d'argent. Dans le quartier, ils partent dans une bataille très violente. Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, putain creuse. J'veux pas qu'on m'invite, pardon, la vie. J'reconte. Mes rêves se ravis. Money. Leur offrir tous ces rêves, on va brûler. Sans que tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Ok, je m'en balais. Je crame une clope dans la cette façon, voir ma je suis pas à ma le Yankee veut ça. Dans la au parc, je sens la Je crame une 15 au milieu des tochas. Je fais le tour de la plaine avec Ebona. Je l'attends rêver, j'ai pas fini clochard. Nanane.
grosse pute, tu me jalouses. En regardant YouTube, tu me jettes l'œil. Je fais plus de E en chaque lettre sur ma feuille. Nique ta mère. Un cœur de ice, tu connais, olé, olé, je parisien, enculé, volé, volé, aux riches, mais pas aux pauvres, salope, salope. Une légende comme Rice sur le terrain. Aïe, tu sais, ma bitch, on aime la maïs avec cette merde que la mif graille, attaille. On pourra pas dire qu'on est condamné. La lumière, on la voit que depuis cette année. Sur 70 degrés, je dois pédaler. Laisse-les parler. Des schlags, je peux plus les compter. Et l'hôtesse de l'air, elle me sert un bon thé. J'suis pas là, mais VR continue de voter. Dans l'escalier. Je veux du L, je veux du V, je veux du G. Président, ta grand-mère, rigolo, prononce mon blague, j'aimerais bien rigoler. Soleil sur la tête, ça lève les compètes. Mon hall, tu manques et tu sais, je m'empête. Non, non, ok, je m'en balais. Je crame une clope. T'as aimé les paroles? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime. Comment t'as découvert cette musique? C'est ma soeur qui m'a montré. Moi j'aime pas la musique de fond parce que c'est en fait ça reste toujours un peu la même musique et ça reste. Voilà, mais sinon j'ai bien aimé la parole. Moi j'ai pas aimé quand il avait dit beaucoup de gros mots. Bah c'est comme ça le rap, hein. Je suis désolée. Et j'ai aimé beaucoup la chanson. Moi j'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Parce qu'il a dit des gros mots. Bah c'est comme ça le rap, j'ai déjà dit. Ils ont besoin de s'exprimer. Tu t'exprimes quand tu t'énerves, tu dis des gros mots toi aussi. J'ai une question, pourquoi il parle de violence? Bah parce que il a besoin de s'exprimer, je ne sais pas. Mais il s'énerve pour rien alors. Il fallait écouter la musique. Maintenant, nous allons passer aux questions. Alors elle parle de quoi cette chanson? En fait, ça parle de violence parce que ils se battent pour de l'argent. Ils se battent pour un quartier, pour la moitié du quartier. La violence, c'est pas que se battre non plus. C'est plusieurs choses en même temps. Vous vivez où, vous? À Duny. Il y a de la violence des fois dans les cités à Duny? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils veulent en parler? Justement pour pas le refaire. Bonjour, je m'appelle Zayan. Bonjour, je m'appelle Navi. Bonjour, je m'appelle Ryan. Le nom de l'artiste, c'est X-Men. Le nom de la musique, c'est X-Men Retour aux Pyramides. Derrière tous, des clics de ouf, des pits à casquette, des big bands. Qu'est-ce qui se passe, mec? Les types scandent qu'ils vendent shit, les coups sentent le truc descend de flics, les petits bandes. Devant les films de gang vie, on t'a Tommy monte. Top ta vidéo de Montana, Tony, pompe ton anatomie. Vas-y, à pompe, je la frie, pour que tous restent en vie. Vos vies sont grillées, comme la gueule dans un survêt loto. Ou un tueur qui laisse sa photo, une lueur dans le regard, un front plein de sueur, une peau noire, un esprit clair pour le Nesby. La rue, mon casino, comme Pacino et Pecci. Entre nous, trop de concurrence comme Coca et Pepsi. Comme si c'était l'épilepsie. Ça secoue sur du Mako, ça défile de fils épilés en brouille. Hey, mais c'est Mako, ça. Des bouteilles de whisky se cassent, comme dans les saloons. On dirait une scène dans Platoon, c'est la merde, frère. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones. Nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des Royal siècles. Comme l'aigle, j'ai l'œil du tigre, comme Rocky. Tant qu'ils sont gros, qui par mon style leur drogue. Prenons le fric avant qu'ils crient bigre, merde. T'inquiète, j'ai le croquis, le plan pour les faire hacker. Allume l'herbe pour le partage du blé. Qui prend quoi? Je veux pas me faire doubler. Tu me comprends? Je veux pas de quiproquo. Direction les Caraïbes, noix de coco. Eau tiède comme le sirocco. Fille exotique pour un mec classe et X comme Rocco. La haine me motive, j'ai un train de plus, je conduis la loco. Motive, détache des wagons, né l'année de J'ai eu mon pote, ilophile. Pour un deal où on pouvait mettre pile au mille. Un plan géant comme Shaquille O'Neal. C'était ça ou sinon. Des bisous, y'a déjà autant de gars sur le filon. Que de frères en prison ou du pédophile aux Philippines. Donc tranquillon, prends quelques kilos de muscles juste en cas d'attaque. J'ai de la force pour les frères.
Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones, nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides, retour aux pyramides après des siècles. Moi, choc comme une nonne qui fume le crack à Vincennes. Tatoué, sapé très sexe, bafoué pour 20 cents. Un défilé de 5 bands avec rien que des noirs ou un homo qui danse le pogo avec Diskin. Gaz comme un bec benzène, moi c'est breakdance, boogie, les tiens font miskin. Je représente les miens comme Denzel, ex rookie, frère Dean, jamais plein de zèle. Et sur mon polo, des impacts de balles forment mon logo. Les autres font rire comme Bozo, le clown se comporte comme Ozo. Je suis une félonie, anti-viking. J'crée des colonies, Black Napoléon, homme caméléon. Bing, on pille le pays comme Misrine. On envahit Virgin, les villas et les villes, les piscines. On boit de la tequila, ma famille, mon cocon, chocon, nos ex-colons. Embrochés du cul au cou par des ex trop longs. Des tresses sous un collant dîme, des teams, des textes trop longs. J'vois rouge comme les pots, parqués dans les réserves. J'couche avec les Black Squaw, squat d'un tipi. Pire qu'un hippie, j'respire du pavot, pas vous. J'grave la vraie vie dans le pavé, comme les gars des grottes de Lascaux, comme Vasco. Le gamma, je suis à la recherche d'espace vierge, infiltré comme Donnie Brasco dans la mafia. Donc je suis parano, speed comme Martin Payne. Sous cocaïne, j'ai la haine jusqu'au jean. Calvin Klein, je représente mon clan. J'ai le feeling comme Marvin Gaye, trop de flûteur. Je suis un king comme Martin Luther. Faut qu'on s'organise, qu'on crée nos propres trucs avant que tout explose. Il faut qu'on s'arme. J'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones, nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides, retour aux pyramides après des siècles. Alors, Ryan, dis-nous ce que tu en penses de cette musique. Je pense que c'est bien cette musique. Ça parle pas beaucoup de la violence, mais j'aime bien cette musique. Pourquoi t'aimes cette musique? Parce que ça parle un tout petit peu de violence, que les jeunes qui sont dehors, ils se battent. Pourquoi t'aimes que ça parle un peu de la violence, voilà? Parce que j'aime bien X-Men et c'est tout. T'aimes bien X-Men, le film ou l'artiste? L'artiste. Ah voilà, bah tu regardes sur internet un peu ses musiques? Oui. Est-ce que tu trouves que ça dit beaucoup de gros mots? Oui, cette chanson, elle dit beaucoup de gros mots. Bon, est-ce que t'aimes bien quand elle dit beaucoup de gros mots? J'aime un tout petit peu. Nabil, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette musique? Elle est bien et je trouve qu'il y a du bon son, il y a le son de fond ou l'instru? L'instru. Ah, moi aussi j'aime bien l'instru. Toi, Ryan, t'aimes bien l'instru? Oui, j'aime très bien l'instru. Et toi, Nabil? Surtout les bruitages ou les sons. T'aimes bien leur voix? T'aimes bien leur voix? Oui. Tu penses que c'est un Marseillais ou un Parisien? Un Marseillais. Un Marseillais? Bah ouais, moi je suis avec lui parce que voilà, je pense que c'est un Marseillais, ça doit savoir. Qu'est-ce que t'en penses de cette musique? Bah moi je la trouve bien parce que j'aime bien la violence, mais j'aime pas la violence parce qu'il faut pas que ça dépasse, parce que la violence ça peut ne plus s'arrêter. D'accord, et vous? Et moi je pense que la violence c'est quelque chose de très heureux, mais c'est ce que j'aime pas, c'est quand il dit des gros mots, il insulte maman et voilà. Mais pourquoi? Parce que la violence c'est toujours mal. Bah tu crois que quand il insulte les mamans, tu crois qu'il insulte ta mère ou les mères des autres? Tous les mères du monde. Bah non, parce qu'il dit pas niquez vos mères tous les mères du monde. Parce que ça me fait mal et j'ai mal au cœur de voir tous les mamans souffrir pour leur bébé. Et ça me fait très mal. Bah parce que je sais pourquoi ça te fait mal, parce que ils insultent des mères. Pour toi, ils insultent des mères même qu'ils ont dans les tombes. Oui. Et c'est aussi très grave pour tous les autres. Bah moi je trouve que ils insultent des mères pour s'exprimer, parce que ils sont dans la violence. Bah quand ils sont dans la violence dans la cité, quand il y a de la violence, ils insultent tout le monde. Par exemple, il y a deux clans. Attends. C'est la même cité, il y a deux clans, mais les deux clans ne s'aiment pas. Si tu connais Pénélène, tu regardes. Ah bah, les deux clans ne s'aiment pas. Ah bah, ils se battent. Dans Pénélène, ils se battent, il y a deux clans, mais c'est la même cité, ils se battent, les deux. Et puis après, le lendemain, ah, ils jouent ensemble. Il faut des tours de moto et tout. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour s'exprimer qu'ils insultent. Oui, je comprends. Et toi, Nabil, on va rentrer un peu plus dans le sujet.
pourquoi c'est toi qui as choisi cette musique, c'est pourquoi tu aimes bien cette musique. On l'a choisi grâce à mes amis, c'est eux qui m'ont conseillé. Et puis on trouve une autre, mais Dieu Christ m'a dit qu'on regarde la deuxième et on a trouvé celle la meilleure. Est-ce que ceux qui sont ici pourraient devenir des rappeurs ? Bah bien sûr, bah oui, moi il me semble qu'on est des rappeurs, mais sauf qu'on n'est pas connus sur YouTube, c'est pas drôle. Hein. Une question, est-ce que Santos ici, est-ce que peut être... Faire du rap. Les gens, ils peuvent faire du rap quand ils veulent, mais s'ils ont envie, ils font du rap classique aussi. Je sais pas si tout le monde pourrait le faire, mais peut-être que quelques-uns ici pourraient en faire. Une question, est-ce que les filles peuvent faire du rap ? Bah bien sûr, bien sûr comme l'image. James, moi je l'écoute, James. Lina Mayem. Plein de filles peuvent faire du rap. Les garçons, ils font, des fois, ils font même pas de rap, mais les filles peuvent en faire beaucoup, plus que les garçons. Il semble que pour faire du rap, il faut un papier, un stylo et un peu de créativité. Donc, a priori, tout le monde peut en faire s'il en a envie. Mais pour le rap, il faut de l'imagination. Pour le rap, d'abord, il faut écouter des musiques de rap, après recopier comme ça. Il faut s'imaginer le décor. Quand on me dit qu'il faut s'imaginer le décor, c'est bien qu'il y a un décor, en général, propre à la culture rap. C'est quoi ce décor ? C'est par exemple, il y a plein de tables, il y a plein de lumière, il y a un rappeur avec DJ. Mais c'est pas ça le rap, hein. Ça c'est un DJ. Le rap, t'explique, c'est déjà dans un clip, si c'est un clip de violence, ils montrent ce qu'ils vivent eux. S'il n'y a pas de clip, ils veulent pas montrer ce qu'ils vivent eux, ils veulent pas te montrer ce qu'ils vivent. Ok, attends. Bah, où est-ce que ça se passe, le rap ? Ça peut se passer dehors, ça peut se passer à l'intérieur, ça peut se passer quelque part, partout. Je suis pas d'accord avec Isaïen, puisque c'est pas obligé qu'il y ait des clips pour faire une vidéo. Où est-ce que ça se passe, le rap, en général ? Dans une ville. Dans une ville, c'est vrai ? C'est le décor. Dans la street, c'est dans la street. Mais pas n'importe quelle street, la street, c'est la rue. Rue, avenue Jean Moulin par exemple, jusqu'à Jean Jaurès, ça c'est la street. Philippe Torres, Torres. Moussa, ce qu'il avait commencé à dire, c'était que ça se passait en bas des bâtiments. Pas forcément ça se passe en bas des bâtiments, ça peut se passer dans un square par exemple. C'est pas obligé que ça soit toujours en bas des bâtiments, puisque Soprano, il a fait sa chanson que j'ai un feu au temps bâtiment. Vous dites, dans le rap, tout le monde pourrait le faire et parle de son vécu. Et ça se passe plutôt en ville, plutôt en banlieue. Bon, résultat, apparemment, on n'est pas en train de raconter des histoires avec des princes et des princesses dans des châteaux, quoi. La question que je vous pose, c'est ça. En vrai, vous écoutez du rap, pourquoi ? Parce que ça parle des trucs qui vous ressemblent, non ? Le rap, c'est quelque chose qu'on aime tous. L'enfant, ils n'aiment pas, mais l'enfant, ils aiment beaucoup. Ça sert à quoi, le rap ? Ça sert à s'exprimer. Ça sert à s'exprimer ce qu'on veut faire. Je sais pas. Je connais pourquoi les gens sont tristes des fois dans des chansons, puisque peut-être ils ont plus trop d'argent, ou ils sont pauvres, ou ils sont abandonnés, ou personne veut de lui. On est avec Moussa. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va écouter là tout de suite ? Thank you family. Et comment elle s'appelle la chanson ? De la légende. Pourquoi est-ce qu'elle te plaît ? Parce que dedans, il y a de la violence. En plus j'aime bien leur façon de parler. Okay. Eh ben, tu nous souhaites une bonne écoute ? Oui. Eh ben, dis bonne écoute. Bonne écoute. Ces connards au défi de vivre ce qu'on a et leurs connasses de venir voir ce qui se passe. Le bateau coule, c'est nos rames contre leur fouet. Fuck la misère, le maire, le préfet de police et le commissaire. Ils disent nos faits
représenter. Mais connaissent-toi de nos existences. Sont-ils déjà venus dans nos rues histoire de voir ce qui se passe? À moi seul, je te représente plus que ton député, tes sénateurs, ministres, autres fils de. C'est sinistre, on ne demande pas la lune, mais des logis décents. L'État nous répond par quoi? Des flics qui abusent du pouvoir lors des descentes. On ne demande pas grand-chose, des emplois. L'État nous répond avec quoi? Nous envoie quoi? Des CRS, des convois. Faudrait qu'on les pleure quand ils meurent avec bravoure. Qu'on tire un trait sur les nôtres, partis suite à leur bavure. Pensaient-ils aux conditions de vie en prison avant qu'un docteur me donne l'alerte? Quand il fait des suicides et des lettres, je tresse mon doigt le troisième face à leur système. Si tu te sens, fais sans de même, l'État récolte ce qu'ils aiment. Me demande pas de voter, je reste politiquement incorrect. Je compte que sur moi pour vivre, du moins pour être. Je suis pas un poète, qui sait où je serai dans 10 ans? Peut-être à l'abri ou dans leur cellule de prison, à traîner dans ces mêmes rues, devant ces mêmes bâtiments, attendant d'être frappé de la grâce de Dieu ou de son châtiment. Je prends parti pour les miens, mais j'ai rien d'un prophète, d'un messie, rien d'un voyou comme Spadjari ou Mesrine. Je suis pas un mesquine, j'ai que mon rap comme exutoire. La rage en moi est contre celui qui a le pouvoir exécutoire. Je les mets au défi de vivre un jour ce qu'on a, au défi de venir sentir et voir ce qui se passe en bas, au défi de venir vivre ce qu'on vit en nos lieux et places, au défi de venir prendre la température d'ambiance. Non, bah arrête de te redire, on t'a vraiment emballé dans le cul. Le pire, notre acharnement de Paris ridicule. Respire, on ne compte pas sur toi pour réussir. FF, c'est qu'un peu d'anarchie dans ton empire. En bref, tu descends pas du siège mais du vampire. Tu peux jurer, tu sais mentir, tu peux juger mais c'est tant pis. Peut-être tu tuerais pour te remplir les poches si tu dormais dehors comme ceux que tu appelles les cloches. Elle est chaude et froide ma vie, mais comment baisser les bras si la chance passe vite? Faut lui donner au lieu de baiser les draps. Et je suis toujours pareil. Avant qu'ils nous abattent, c'est toujours pareil. Honneur aux zinzins, ce qui aime la vie de rue est alpin. Chacun défend ses biens, reste de se fait dans le bain. Ce monde pas en live, on s'interroge grave. La situation s'aggrave, on sait qu'il y a plus rien pour être brave. Bonté divine, c'est la merde sur terre, sur ma mère. Dites-leur que nous sommes tous mortels et respirons le même air. Les snobs, ouvre les oreilles, ne nous cherche pas querelle. Vu qu'on prend la famille, on se bat pour elle. Partout dans le globe, pour une autre plombe. Si tu savais tout ce qui se trame dans l'ombre, peut-être qu'à cette heure-ci, ils fabriquent des bombes. Mais combien de gens souffrent, combien sombres. C'est pas nos chansons qui les feront vivre, mais les grosses sommes. Le peuple stresse pendant que le chef d'État se détend. Bah, ils combattent la détresse, mais leurs mains veulent briser des détentes. Desserre tes fesses, qui distinguer des stress. Dans pas longtemps, va tout déglinguer. J'espère qu'un jour tu pourras entendre ce texte. Avant de nous cataloguer, viens dialoguer avec les pestes. On va te faire rêver comme personne t'a fait rêver. Tant que nos cœurs on est rien pour les gens. Et si l'État nous abat, on entre dans la légende. Ils nous détestent, on désire qu'on se taise. Mais les frères contestent, parce que c'est des foutaises. Plus on combat la détresse et la peine, plus on les blesse. Plus y'a de flingue, plus y'a d'État, plus on les presse. Tant que nos cœurs on est rien pour les gens. Et si l'État nous abat, on entre dans la légende. Tant que nos cœurs on est rien pour les gens. Et si l'État nous abat, on entre dans la légende. Ils nous détestent, et désirent qu'on se taise. Mais les frères contestent, parce que c'est des foutaises. Plus on combat la détresse et la peine, plus on les blesse. Plus y'a de flingue, plus y'a de détente, plus on les presse. Tant que nos cœurs on est rien pour les gens. Si l'État nous abat, on entre dans la légende. Ils disent qu'ils veulent pas de drogue, mais laissent rentrer son argent. Sans arrêt des contrôles pour ne pas laisser rentrer les gens. Fracasser fort d'une église pour chasser de sang noir. Peine de mort abolie, mais ils tuent quand même de sang froid. Le temps appelé ça faire son devoir. Mettre des familles dehors qui dorment sur des trottoirs. Ils ont tellement fliqué le territoire que vouloir se révolter devient illusoire ou dérisoire. Vont-ils récolter le fruit de notre haine? On connaît que la moitié de l'histoire. Comment veulent-ils que j'adhère à leur système? Et comment peuvent-ils crier victoire? Après les élections, ils se félicitent. Ils auront l'occasion de détourner l'argent public. Leurs enfants trouvent une situation assez vite. Pour nos gars, intérim, assez vite. CRS, RMI, AS, TGI. Bonjour, je m'appelle Isaïe, moi j'ai trop kiffé cette musique, elle est trop bien. Je sais pas, les paroles, j'aime bien quand il est divité et tout. Bonjour, je m'appelle Moussa, j'ai une question à vous poser. Pour toi, ça veut dire quoi, on rentre dans la légende? Bonjour, je m'appelle Jo Chris. Moi, j'ai beaucoup aimé cette chanson puisque c'est du rap et ils disent un peu de gros mots que j'apprécie. Moi, j'ai aimé. J'ai tout aimé. Et pourquoi? Comme ça. Moi, j'ai adoré. J'aime bien ces paroles parce que c'est en fait, c'est pas comme des autres chanteurs. Là, on ressent vraiment de la violence. Et voilà, j'ai adoré. C'était vraiment très bien. Merci. Bonjour, je m'appelle Salimata. Et j'aimais la chanson parce qu'il parlait de la violence et j'ai bien aimé. Merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Ryan. J'ai bien aimé la musique et ils parlaient de violence. Et comment ils en parlaient ? En disant des gros mots. Des chansons, c'est bien parce que les mixing of rhymes together, it makes sense. Thank you. Qu'est-ce que tu as aimé ? Rien. J'ai pas trop aimé parce qu'il parlait trop vite et j'ai pas tout compris. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler de rap ? Et pourquoi est-ce que vous en écoutez ? Moi, j'écoute du rap puisque j'adore. D'abord, j'ai commencé par des classiques, mais quand j'ai vu que le rap ça existait, maintenant je m'intéresse que au rap. T'as écouté des chansons avec nous ? Ouais. T'en as pensé quoi ? Rien. On pense toujours quelque chose, Nabil. On cesse jamais de penser. Et tout ce qu'on pense, ça vaut le coup. Je vais venir. T'écoutes de la musique des fois ? Non, pas trop. Ok. Et depuis que t'en écoutes avec nous, dans l'atelier, est-ce qu'il y a des choses que t'as découvertes qui te plaisent ? Moi, j'aime bien le rap parce que avant, je savais pas c'était quoi le rap. Et mon frère, il m'a appris c'est quoi le rap. Et Rodina aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien le rap aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui te plaît dans la musique ? La violence, les gros mots. Pourquoi ? Parce que c'est la violence et que moi, avec mon frère, je parle de la violence. Dans la classe des riches et dans la classe des pauvres, le rap s'est classé plutôt dans la classe des pauvres. Parce que les riches, ils n'écouteraient pas des chansons où c'est pas vraiment ce qu'ils ressentent. Ils écouteraient mieux des musiques de la belle vie. En fait. Je suis d'accord avec Chloé, en fait, elle a raison, c'est vrai. Parce que dans la classe des riches, ils gagnent plus d'argent que les pauvres. Et les pauvres, ils ont rien du tout. Ils ont de l'argent, mais ils en ont un tout petit peu. Donc, la violence, ça peut parler de plein de choses. Ça parle de bagarre, ça dit des gros mots, ça parle de plein de choses. Ça parle de ce qu'il ressent, lui, le chanteur ou la chanteuse. Ça parle de ce qu'il ressent, lui. Il parle pas de quelqu'un d'autre. En fait, il parle de lui. Et il sort tout ce qu'il a dans son cœur. Moi aussi, je suis d'accord avec Chloé parce que les pauvres, ils sont tristes, donc ils vont écouter des chansons tristes. Et les riches, ils vont plutôt écouter des chansons heureux. Et j'aime bien le rap parce qu'on dirait qu'ils me parlent à moi. Moi, j'ai appris le rap depuis que je suis dans mon pays, Haïti. Et comme maintenant, j'écoute tous les jours du rap et ça m'intéresse beaucoup d'écouter le rap. Bonjour, je m'appelle Salimata. Et pourquoi t'écoutes du hip-hop ? Parce que j'aime bien. Pourquoi t'aimes bien ? Ça parle de la violence. Et la violence, tu connais ? Ok. Moi, je pense que la violence à Dumis, c'est presque tout le monde vit ça, presque tout le temps. Voilà. Bon, La violence existe parce que il y en a plein de gens qui disent des trucs violents que Sarah. Sur les petits-enfants qui n'ont rien, qui n'ont même pas un foyer, et c'est tout. En fait, à Judy, la violence, en fait, il y en a partout qu'ils en ont. Ils ont partout de la violence,
Il en a partout à Adjuni, il en a partout, partout. Et la violence, c'est... En fait, la violence, c'est... on peut la faire en chanson, mais des fois aussi, il y en a, ils la font en bagarre. C'est ça, en fait, la violence. Pourquoi, en fait, les gens, ils font la violence, mais en fait, des fois, ça parle pas trop de violence. Tu parles de la musique ? Parce qu'il n'y a pas que la violence dans la vie, non ? Pourquoi c'est de Chini, ils aiment le rap, mais en fait, ils savent pas comment dire, comment ils aiment le rap. Pourquoi la violence, elle existe ? Ça existe puisque il y a très longtemps, ils ont fait une guerre. Après, il y a quelqu'un, il a appelé ça la violence. Et du coup, ils font des guerres. Et après, les jeunes d'aujourd'hui veulent recopier ça. S'ils sont énervés, alors ils font. À quoi ça sert de parler de violence quand on fait de la musique ? Et ben, en fait, pour... faire en fait la violence c'est un truc on peut l'exprimer en fait la violence on l'exprime avec notre cœur donc ça sort comme ça quoi. Dans ce qu'on va écouter, enfin ce qu'on a écouté, et ben ça parle de violence. Du coup, c'est pour ça qu'on est en train de parler de violence. En fait, j'ai une question. Je vais la dire. Et en fait, est-ce que ça se peut que les intelligents qui n'aiment pas la violence peuvent dire des gros mots? Picture this, we the best, we the best, we will cut fresh, we the best. On est CM1B et moi je m'appelle Inès. On est CM1B et moi je m'appelle Chloé. On est en CM1B et je m'appelle Amna. Je m'appelle Saïma. Je m'appelle Ryan. Je suis en CM1B, je m'appelle Jocris, mon nom de famille est Jocris, papa, mon cousin, je m'appelle Ryan. Je m'appelle Nabil. Je m'appelle Océane, mais je suis en CM1B. Je m'appelle Rodina. Alors, on est bien sur Énergie. Bonjour, je m'appelle Moussa, mon famille Touré, ma mère Cédia. C'est bon, j'arrête de raconter mon histoire. Bonjour, je m'appelle Isaya, je viens de terminer mon bac. C'est tout. Je m'appelle Salima.